Monsieur Poher est en effet très soucieux de la situation créée en France depuis de longues années, sur le plan des relations de l'opposition et de la majorité, de l'opposition et des pouvoirs publics. Et en effet, il m'en a parlé, ce n'est pas un grand mystère. Cette conversation ne pouvait pas avoir d'autre objet qu'une communication de nos façons de penser, puisque lui-même redevient président du Sénat et moi-même premier secrétaire du Parti Socialiste, député de la Nièvre. Je crois que c'est surtout une affaire d'usage, voyez-vous. Statut de l'opposition, c'est une expression bien ambitieuse, parce qu'après tout, le statut de l'opposition dans une démocratie, c'est de vivre avec les droits normaux concédés à toute fraction de l'opinion publique. Et il est vrai que dans la réalité, l'opposition est très maltraitée. Elle est éliminée de la vie publique. Qu'elle ne gouverne pas, c'est bien normal. Mais tout de même, lorsque l'opposition représente la moitié de la France, il serait sage d'en tenir compte. Si on veut faire de l'opposition une garniture sur un meuble de salon, qui serait de préférence un meuble désuet des années 1925, même du 19e siècle, ça ne nous intéresse pas. Bon, voilà, c'est tout. Si l'on veut s'amuser avec l'opposition tout en continuant de la tenir à l'écart comme on le fait au niveau des grands moyens d'information, si on continue de lui refuser toute représentation dans les commissions de travail à l'Assemblée nationale, dans les délégations à l'étranger, délégations officielles naturellement, dans les propositions de loi, bref, si la moitié de la France est tenue, comme l'a fort bien dit M. Poher, dans le ghetto où on l'a enfermé, il n'est pas question que je sois complice de n'importe quelque transaction ou compromis que ce soit. Donc vous souhaitez être consulté par le registre des... Je ne souhaite rien.